qui ne va pas sortir, le soutien derrière d'Amandine Henry qui va être servi par Delphine Cascarino. Qui fait chaud. La volée est compliquée pour l'attaquant et la reprise derrière de Delphine Cascarino qui avait fait l'effort. À côté, les premières situations pour l'Olympique Lyonnais dès la 4e minute. Pour accélérer, resservir en appui Delphine Cascarino dans la surface. Demris, leur premier corner de la partie. Cascarino encore qui retrouve un appui dans la surface, elle va le trouver avec Delphine Cascarino qui tente de trouver l'ouverture de centre, c'était pour Vicky Méchaud. Et la profondeur, elle est bien trouvée là-dessus, Delphine Cascarino, pas d'enjeu, les Normands, de Mylène Chalas au devant de l'attaquant lyonnaise. Et non, pour potentiellement contre-attaquer, Cascarino pour attaquer l'espace. Il y a l'appel sur le côté, Vicky Méchaud, il va être servi. Et qui va attendre de servir Delphine Cascarino, elle était passée sans succès. Et l'ouverture dans l'espace très belle, des gros là pour Delphine Cascarino, frappe contrée. Et dégagé derrière par Chenaliègre pour son premier ballon. Carpenter. Narouise dans la surface. Cascarino pour se retourner, servir en entrée de surface, la frappe. Elle était belle de la part de Jennifer Mangin. Mais Chalas était bien présente sur sa ligne également. Elles l'ont déjà fait à plusieurs reprises cette saison. Bien sûr, pas de position d'enjeu pour Delphine Cascarino. Centre très très long vers le second poteau, tentative de remise. Et ballon qui avait tenté d'être remis par Julie Thibault. Mais qui va revenir pour Delphine Cascarino. Qui va s'en aller défier Arias. Cascarino encore qui passe sur le côté de cette surface. Même s'il reste encore beaucoup de temps pour les Lyonnais pour faire la différence. Et voilà, avec Cascarino, le centre sur le poteau, personne, repoussé en deux temps, la surface, Carpenter encore, faire tourner, faire dézonner cette défense bordelaise, la volée. On a des chevilles contre chevilles de France qui les attend le week-end prochain, cette réception du Paris Saint-Germain. Il y a Rezias qui va obtenir la faute encore une fois face à Delphine Cascarino. Des initiatives intéressantes qui pourraient être répétées par plus de clubs en Jeanne. Il faudrait revoir l'entre-elle et Julie Thibault. Côté Lyonnais, on voit notamment un Mélanger qui était prévu pour jouer, qui a été laissé au repos et qui avait joué 60 minutes lors d'un match amical contre Saint-Etienne durant la trêve internationale. Sur la ligne d'attaque bordelaise. France face à la Belgique en amical avant finalement de choisir le Canada. Cascarino, le centre, bien encore par Julie Thibault. Franc tenu par le père Moroni là-dessus. Le Bordelais qui était sorti, hein, avait failli surprendre en première période Mylène Chalas de cette manière, plus que toute autre équipe. Et ça se voit sur ces situations où elle tarde des fois à réagir bordelaise et à sortir là, c'est un but à zéro ici. En départ 10 contre 11 lyonnaise, position de l'enjeu signalé à l'encontre de Delphine Cascarino. Lyonnais qui le 6 février 2022, c'est un. Mais Lyon qui sur sa première et frappe cadrée de la seconde période aura fait la différence et le break là-dessus. Cette erreur de Mylène Chalas jusqu'ici impeccable. Reste solide et important dans le jeu. Alors que le changement à venir, on voit signer pour notamment se préparer. En tout cas, le panneau se lever potentiellement avec Gourla pour un de donc. Ça va être Gourla pour un de donc. Et Cascarino pour signer Brune. Alors que pour faire un rapide point en parallèle, Paris Saint-Germain qui dans l'autre rencontre a su dans ce manoir.